Je m'appelle Thomas, je suis en filière ingénieur sous statut apprenti en data ingénieur et je suis en dernière année. J'ai fait un bac S, ensuite j'ai passé le concours GP Polytech et j'ai intégré l'école en prépa intégrée. C'est vraiment une formation qui va regrouper vraiment toute la donnée de A à Z, comment on la récupère, comment on la stocke, comment on la traite, comment on fait des calculs statistiques dessus par exemple, comment on la sécurise. C'est une formation qui est très intéressante, sachant que les données de nos jours, il y en a de partout, que ce soit dans les maisons connectées, dans les téléphones, sur les réseaux sociaux, vraiment tout le monde a des données de partout et c'est quand même important de savoir comment ça marche, qu'on peut en faire et des dangers qu'il peut y avoir derrière aussi par exemple. Je suis en alternance et je l'effectue au sein de l'entreprise ST Microelectronics, donc à Aix-en-Provence. Je suis dans une équipe de business intelligence, où j'ai un poste de data analyst, et donc je m'occupe de faire des tableaux de bord pour, par exemple, faire des graphes pour analyser les données de l'usine. Pour la suite, j'ai comme idée de rester dans l'entreprise, donc ça serait plus pour un poste orienté chef de projet. L'atout majeur de la formation data ingénieur par alternance, je dirais que c'est qu'elle retrace vraiment tout le cheminement de la donnée de A à Z. Il y a un autre point important, c'est que c'est une des rares écoles en France à proposer cette formation. Pour moi, Télécom Saint-Etienne, c'est une école qui est professionnalisante. C'est aussi une école qui est innovante à travers les différents cursus qu'elle propose au niveau des thématiques de cours.